Les musulmans se tournent vers la Mecque en priant, où se trouve une construction cubique noire qui est appelée la Kaaba. La Kaaba est la première bâtisse qui fut construite sur terre pour pratiquer la religion. Il a été construit par Adam et fut reconstruit par Abraham et son fils Ismaël. La Kaaba n'est pas un lieu d'adoration où les musulmans pratiquent leur religion. Les musulmans croient que la Kaaba ne peut faire ni de bien ni de mal à personne. La Kaaba est le centre autour duquel les musulmans tournent en cercle pour prier. Et ces cercles continuent à s'agrandir dans le monde entier. Donc, quand je prie tout seul, je dis « Vous seul, nous vous adorons, et vers vous seul, nous vous tournons pour vous demander de l'aide. » Je ne dis pas « Je vous adore » ou « Je me tourne vers vous pour demander de l'aide », même en priant seul, car je ne suis pas le seul à prier. Je suis dans un cercle fermé. D'autres frères et sœurs prient avec moi dans ce cercle. Peut-être en Chine ou au Danemark, peut-être sur un bateau, sur une montagne. La Kaaba nous donne le sens de l'universalité de cette religion, en unifiant les musulmans qui prient en cercle autour d'elle.